Alors, le prochain mouvement qu'on vous présente à la barre, c'est le dip. Donc, à la petite barre, genou fléchi. On va faire une descente exactement comme Franz le fait en ce moment. On garde le dos bien droit. Et on fléchit les coudes à 90 degrés, pas plus bas, parce que comme ça, on risque d'avoir problème à l'épaule. Pour augmenter la difficulté, on va éloigner les pieds, garder les jambes bien droites et exécuter le même mouvement sans trop descendre, donc toujours 90 degrés au niveau du coude. Donc une variante encore plus difficile, une jambe, exactement comme ça, c'est le même mouvement. On descend lentement, on essaie de ne pas trop pousser là, avec la jambe qui est en appui au sol. Un exercice qui est intéressant pour une autre variante au dips, on va regarder Nicolas le faire. Donc c'est à les barres horizontales parallèles. On peut regarder, l'objectif c'est de descendre encore à 90 degrés, de garder le corps bien droit et les genoux croisés, ça peut aider à stabiliser le tout. C'est beau!